We're going to move on now to talk about the relevance of all this for Africa. And just a word about that. There are increasing problems with a number of states spreading from what we call the Sahel area. And there are problems there with what we like to call Islamist groups, which may or may not be good Muslims, but to a very large extent are certainly criminal organizations. And to a very large extent, they are financing themselves through the drug trade to Europe, which comes across the Atlantic. And that is a link which Armando pointed out when he talked about trafficking through the Cape Verde Islands. And there he said that the Coast Guard functions off the West African coast, and he mentioned Cameroon and Cape Verde, are not up to task. And let's just imagine for a moment what the task is. I don't know how many of you have seen that map of Africa into which you can fit the silhouettes of Western Europe, the United States, India, and China, and still have some room left over. Africa is very, very big. So when we say the things in Africa are not up to task, let's start by remembering the enormity of the task. And that's something which our next speaker has to have in front of him every time when he's trying to construct a maritime strategy for the African Union. So it's now over to Samuel Kame Damkui of the African Union, who's going to tell us what this looks like from his perspective. Thank you. Thank you very much, Mr. Chair. Let me start by conveying to you all the greetings, the huge African hug of the chairperson of the African Union, Dr. Dlamini Zuma. We very much appreciate this event. We very much appreciate sharing with you our views on the challenges and opportunities facing Africa in his oceans and seas. I am Samuel Kame Damkui. You got it right, John. I kind of share, I kind of coordinate a task force set up within the African Union Commission dealing with the development and the implementation of the 2050 Africa's Integrated Maritime Strategy, which we intentionally call 2050 AIM Strategy. We call it that way on purpose. I'm here with three other colleagues of the African Union Commission, and I would like to introduce Christian, if you could just wave. Thank you very much, Christian. We are very happy to have you on board. Christian is, when she comes one day with an idea at the task force, just wonder what she will bring the next day. She's the one handling the outreach initiative and have been very, very, very instrumental in what we are doing. I would like to introduce Abene, who is the architect. A very renowned architect who is with us and dealing with the design of one of the blue ships of the strategy, which is the giant aquarium program we have for Africa. Last but not the least, though the youngest, I would like to introduce Dr. Sawadogo Wilfried. If you could stand up, Wilfried is helping us in the a strategic planning cell, and very, very intelligent, very, very bright mind. Wilfried, we are also very proud of you. Now that you could see how poor is the quality of my English, I would ask your permission, just for a change, to balance the language issue to carry on in French, if you would allow me to do so. I would have loved to speak Swahili, but I was told there is no translator in there. There is no interpreter for Swahili. So
I will try in English, in French, and that is not my mother tongue, though. So bear with me as I carry on. Donc, ce que nous avons eu à constater, ce que nous avons, quand je dis nous, les Africains, parce que le travail que nous sommes en train de développer est un travail africain, hein, African-driven, comme disent nos amis. C'est un travail initié par des Africains, par une génération d'Africains qui réalisent que la compétition sera plus rude pour les générations futures. La compétition, vivre dans ce monde, demandera des biceps un peu plus développés au niveau mental que ce que nous avions eu jusqu'à présent. Nous avons parlé de quelques challenges, quelques défis que nous avons dans nos eaux. Le professeur a évoqué la drogue, mais nous aurions, si on avait le temps nécessaire, nous aurions aimé développer certains de ces aspects pour vous montrer quelle est l'ampleur, quelle est la profondeur des défis qui sont les nôtres en Afrique. À un moment, je vais vous demander pourquoi nous en sommes là, de manière à ce que, sortis de cette salle, que nous ayons une idée de la compréhension de cette auguste audience, de la situation qui est la nôtre. Le professeur a parlé de la drogue. Il y a 5 ans, l'UNODC disait que l'Afrique était immunisée de ce fléau de la drogue. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus un hub mondial, un hub global du trafic de la drogue. Au-delà de transiter par l'Afrique, la drogue est pour nous un fléau d'autant plus dangereux qu'il corrompt la jeunesse. Qu'il corrompt la jeunesse africaine dans beaucoup de pays que j'oserais encore appeler jeunes. Quand vous avez une jeunesse corrompue dans un état jeune, on ne peut rien attendre du futur. Vous avez des exemples à travers le monde, je ne veux pas m'étaler dessus parce que nous n'avons pas assez de temps. Mais c'est un commerce qui génère beaucoup d'argent. Le retour sur investissement, je ne veux pas exagérer, est de 90%, sinon plus. Donc c'est un commerce, c'est une industrie, c'est un, on va appeler ça, crime organisé qui va attirer du monde. C'est un crime qui va se développer davantage parce qu'il est lucratif. Il est lucratif comme la piraterie l'a été pendant un moment, tout au moins, et continue encore de l'être, dans le premier cas en Afrique de l'Est, au large de la Somalie, et dans le deuxième cas dans le golfe de Guinée. Je ne veux pas m'étaler dessus parce que hier, on en a parlé dans cette salle et tout le monde est au courant de ce phénomène. Mais j'aimerais dire un petit mot sur la pêche illégale, la pêche illicite, qui, tenez-vous bien, depuis les 5 dernières décennies, a coûté à l'Afrique, et je parle d'expérience, hein, j'ai des cas concrets que j'ai vécu moi-même en mer, qui coûte à l'Afrique 100 milliards de dollars depuis les 5 dernières décennies. Dans un contexte où nous parlons tous de food security, dans un contexte où la pêche est source de revenus, source de protéines pour des centaines de millions, de millions d'Africains, vous convenez avec moi qu'il y a là une grosse menace à la sécurité. J'ai entendu parler tout à l'heure du pétrole. Le trafic illégal de pétrole a coûté à l'Afrique en 5 ans 100 milliards de dollars.
Là, je vous donne des chiffres. Je suis partisan de ce que de ce qu'on appelle quantitative analysis in decision making. Je suis partisan de données. On prend les décisions sur la base de données. Je vous donne là des chiffres concrets. 100 milliards par-ci, 100 milliards par-là. Il me semble qu'on parle là de gros volumes d'argent. Je ne veux pas parler des crimes environnementaux, mais là aussi, nous avons de gros défis. Au moment où je vous parle, à court, au large du Nigeria, un phénomène inimaginable. Plus de 2000 hectares de mangroves complètement dévastés par des déchets pétroliers. Et d'après le rapport de l'ONU, cela prendra 30 ans pour nettoyer. 30 ans et naturellement quelques milliards de dollars. 30 ans, ce n'est pas 30 mois. Ma foi, c'est 30 années de nos vies pour nettoyer le dégât tel qu'il se présente actuellement. S'il n'y a pas entre-temps, ce qui serait, vous conviendrez avec moi, ce qui serait étonnant, s'il n'y a pas d'autres dégâts supplémentaires. On peut parler de déchets toxiques, hein, de chargement de déchets toxiques dans nos côtes. On peut parler de trafic illégal des armes, mais on peut comme ça égrener à longueur de journée, 3 jours durant, les menaces et les défis qui règnent, qui ont cours dans nos eaux autour de l'Afrique. La question, comme je l'ai dit tantôt, la question que je vais vous poser, et il y a des micro-baladeurs, si nos amis peuvent les apprêter pour l'audience, la question que je vais vous poser, c'est de savoir pourquoi, dans le processus de développement de notre stratégie, nous en sommes venus à nous poser cette question. Pourquoi ce qui est considéré comme une bénédiction, c'est-à-dire notre océan, c'est-à-dire nos mers, c'est-à-dire notre domaine maritime, considéré normalement comme une grâce, pourquoi cet espace est aujourd'hui source de, j'aurais dit, de privation de repos d'esprit pour les leaderships africains? Pourquoi? J'aimerais entendre de la salle une ou deux idées, une ou deux propositions, une ou deux analyses de ce pourquoi. Et si personne ne lève la main, je vais devoir désigner. Pourquoi en sommes-nous arrivés à une situation où, en réalité, je dis privation de repos d'esprit pour le leadership africain, mais j'aurais pu dire pour le monde entier, puisque tout le monde entier est au large de la Somalie. Pourquoi jouons-nous ce rôle? Je peux avoir un micro? Prenez le micro, s'il vous plaît, pour les interprètes. Merci. I was actually born in Africa, and well. That's a blessing to be born in Africa. It is. but the answer is simple. Of course, everyone knows it in this room. It's because we have failed states in Africa, and the power of the state is very weak, and that's why Somalia is the main problem. That's the reason why Guinea-Bissau is a problem. It's because they are failed states, and even in the other states, the power of society is relatively weak. And of course, that's a problem. Thank you. Merci beaucoup. That's very interesting. I see another. Wait for the mic, please, for the interpreters. Thank you. C'est l'amiral? L'amiral. Et là, vous aurez la solution au problème. C'est l'amiral qui parle. There is a lot of wealth. You have oil. You have fish. You have a lot of good things, and you need to protect them. Yeah. We have a lot of good things. And we need to protect them. Excuse me, lady, please. There's a mic here. Thank you, sir. I believe it's lack Samuel. Of education from people in charge.
Lack of education. Yes. Is that what I heard? Yes. Lack of education of the people in charge. Because rulers don't respect things that are overwhelmingly important. It's my opinion. Lack sir. Of education. Could we say ignorance, Professor? Could we say the threat of ignorance, Joe? Okay. Well, I'm trying to be an architect for development, and when I see Africa, I fear immediately when I think about the threat, and then is immediately related with the Africa as a continent. The definition of the threat, the location of the threat, is absolutely essential when we want to develop either a tool to respond to threats and either a tool to be architect to development. And trying to drift a little bit more to the Atlantic, I have to say that there is a tremendous ambition. The Atlantic has 410 million of young people, potential entrepreneurs, that we need to take care. And this is a role for the architects of development. So we need to educate, we need to develop the capacity, because they have the resources and they need to have the sense of ownership of those resources. That includes entrepreneurship, social inclusion, education, and also the tools to respond and to control their own resources and to protect the environment. Thank you. Thank you, Joao. We have heard some of the reasons. I see some hands up, but in the interest of time, we cannot continue this debate any further. Oh, I'm carrying on in English. Back to French. Avec tous ces problèmes sécuritaires, comme vous avez pu constater, tous ces fléaux qui sont des situations concrètes qui menacent de manière directe, je n'ai pas dit indirecte, de manière directe, la sécurité du peuple africain, nous avons pensé à une approche entrepreneuriale, j'aime ce mot, nous avons pensé à une approche d'éducation, question de montrer, question de prouver avec des chiffres, avec des données concrètes à l'appui, comment nous pourrions renverser la tendance, comment nous pourrions transformer cette menace que représentent nos océans, comment nous pourrions transformer ce que nous percevons, parce que pas suffisamment éduqués, ce que nous percevons comme une menace, comment nous pourrions la transformer en un vaste océan d'opportunités. C'est la démarche dans laquelle nous sommes au niveau de l'Union africaine. Et nous avons tout simplement fait ce petit exercice de nous projeter dans le futur, de nous projeter en 2050. Et dans ce voyage virtuel atterri en 2050, nous avons décodé notre compréhension des enjeux, notre compréhension des défis de 2050. Et que nous avons rassemblé, nous avons grosso modo quatre grandes forces qui vont commander le monde dans lequel vivront la jeunesse actuelle. Le monde dans lequel vivront ceux du futur. Il y a quatre grandes forces. Nous avons répertorié le changement climatique. On peut passer quatre jours à développer comment c'est lié à la mer. Nous avons inventorié la démographie. Aujourd'hui, au Nigeria, il naîtra plus d'enfants que dans toute l'Europe réunie. Il y a un lien direct avec ces problèmes sécuritaires que je vous ai développés. Nous avons vu les ressources naturelles comme un problème, la quête, la lutte vers les ressources naturelles comme un problème qu'il faudra prendre en compte. Samuel, we have two more speakers to go. Can you please conclude now? I conclude. Je passe sur le quatrième parce qu'on n'a pas de temps, mais tout cela mis ensemble, mis en perspective, nous avons développé cette approche. L'amiral Pierre-François Forissier, chef d'état-major de la marine française, 5 étoiles, disait que l'Union européenne viendra apprendre de l'Union africaine comment mettre en œuvre une stratégie intégrante. Mais nous n'avons ni l'ambition, ni,
ni l'intention d'apprendre quoi que ce soit à l'Union européenne. C'est pour ça que nous sommes ici, pour apprendre hein, de João, qui nous soutient beaucoup dans cette démarche et à qui nous disons un immense merci. Ce serait un crime de quitter ce plateau sans te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et avec tous les autres États membres de l'Union européenne et avec l'Union européenne dans sa globalité. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il ne me reste plus qu'à vous dire merci et au plaisir de vous revoir. Thank you, Samuel. While you're going back to your seat, I have a question for you. In Europe, we had the European Parliament, which said that we ought to have a European Coast Guard. This was rejected by member states, who prefer each of them to have their own coast guards, who are all proud of their national sovereignty, and who can only manage to actually exchange information together. They don't procure their coast guard vessels together. They don't do anything together. Do you think in Africa you have a chance to leapfrog over such a situation and develop an African capability, an African coast guard capability, which would make it no longer necessary for individual member states to do that? It would be much more efficient. Mr. Chair, thank you very much. That is a good point. Within the framework of the 2050 AIM strategy, as a short-term objective, we envisage to put in place networks of coast guards. That is the short-term objective. The end state, we see it in 2050, but we have interim objectives as we go through 2050. As I speak, you would recall in June, 25 and 26 June, we had a summit of heads of states of ECOWAS, that is West Africa, and ECAS, that is Central Africa, 25 member states of the EU who gathered in Yaoundé to take very inspiring decisions in that regard as well. How they could mutualize, if I may speak so, mutualize their assets, put in common what they have, the minimum they have, with the help of the international community, to address what they see as common threats. And of course, in the long term, we believe that before 2050, Africa would have become the United States of Africa. So definitely, we will have one single Coast Guard for the whole continent, and definitely this issue will find a solution, a trivial solution on its own. I think that's true.